Salut tout le monde, c'est le docteur Axo ici. Je vous parle depuis magnifique ville Istanbul. Je vais vous parler un peu de l'hydrosalpinx et de la fécondation in vitro. L'hydrosalpinx, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand les trompes de Fallope se bouchent et que du liquide s'y accumule. C'est l'une des principales causes d'infertilité. Quand les deux trompes sont bouchées, tomber enceinte par voie naturelle devient mission impossible. C'est là que la FIV entre en jeu, si une opération n'est pas possible. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Allez voir si ça vous intéresse. Maintenant, si on se prépare à faire une FIV, parlons un peu de l'impact de l'hydrosalpinx sur les résultats. Il y a plusieurs facteurs négatifs. Le premier étant la toxicité de ce liquide. Il est toxique pour les embryons. Les études montrent que la présence de ce liquide peut affecter la qualité des embryons et le fonctionnement de l'endomètre, l'endroit où le bébé doit s'implanter. Cela peut rendre l'implantation impossible. De plus, ce liquide augmente le risque de fausse couche. Pourquoi les taux de grossesse baissent-ils? Eh bien, le problème principal est que le liquide de trompe reflue dans l'utérus parce que l'autre extrémité des trompes est bouchée. Ce reflux cause de l'inflammation, ce qui réduit les chances de grossesse. Il y a aussi un effet mécanique des trompes bouchées et remplies de liquide empêche le mouvement et les fonctionnements de l'embryon. Après le transfert, l'embryon se déplace vers les trompes avant de revenir s'implanter dans l'utérus. Si les trompes sont pleines de liquide, cela affecte la qualité de l'embryon, bien sûr. Alors, que faire? Nous recommandons de prévenir le reflux de ce liquide dans l'utérus. Il y a plusieurs méthodes pour cela. La plus connue est de retirer la trompe problématique. Une autre option est de fermer la trompe par la laparoscopie pour empêcher le liquide de refluer. Une méthode moins courante est d'aspirer le liquide, mais c'est vraiment en dernier recours. En résumé, traiter l'hydrosalpinx avant la FIV est crucial pour augmenter les chances de succès. Oui, bon, on peut faire une FIV même avec un hydrosalpinx. Mais il faut savoir que les chances diminuent de 20 à 50%. C'est pourquoi nous préférons traiter les trompes avant. Je vous souhaite à tous une excellente journée et bonne chance.